Aïssé Fremsem, jodi an si avec un pile que serré et que me tourne sous dossier ça. Il est obligatoire pour que nous parler de lui. Dossier assassinat Antoinette Duclair et Diego Chal. Et puis, 11 lots Haïtien Fremsem nous qui étaient tombés dans la même date. Ça. 29 pour arriver 30 juin 2021. Antoinette Duclair, assassiné avec tout cavalier Paul Calzamil, journaliste Parelli, Diego Chol. 2-3-4 minutes après, il a tout profité à faire fusillade dans Delma 32. Ti machin qui tape 20 billets prend balle. Jeune garçon qui tape passé sur motocyclette prend balle. Il mourit sous place. Machin saucisse prend balle. Jeune garçon qui toujours boit ti bière yo nan mon Odilon yo prend balle yo mouri sous place. T'as que plus passé 11 cadavres à terre en 32. Assassinat Antoinette Duclair te baillé Léon Charles. En tant que DG la police à l'époque, possibilité pour te tout faire nettoyage. En dedans la police là. Pour te tout profiter. Pour te éradiquer. Groupe terroriste ça. Que France LB, Marius Gauthier, Calenri Boucher. Te mette dans la police là. Qui est le fantôme 609. Léon Charles te tout gen occasion en or. Pour qu'elle te tout éradiquer. Ti groupe terroriste ça qui gen en tête li. Yannick Joseph. Abelson Gouneg. Renal Coutois, on paquet l'autre encore. On paquet terroriste quand dans la police là. Mais qui y a des gens qui sous tête yo qui n'ont pas état-major. Qui travaille pour le secteur politique là. Et puis qui finance par les oligarques corrompus, plus précisément Jean-Marie Vob, Dimitri Vob. Et puis Reginald Boulos. Antoinette Duclair mourit mal. Et pays a kon pou ki sa Antoinette Duclair mouri. Encore une fois, Mabdil. Antoinette Duclair, alias Neti, li mouri pour président Jovenel Moïse. Et m'pren bo di nan sa la comme témoin. Ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph, pas capable d'information ça. Antoinette Duclair mouri parce que l'te bien avec Claude Joseph. Antoinette Duclair mouri parce que tout simplement, Nenel Cassien, de Michel Majori, Michel Don, Kato, Chile Ludo, équipe SDPA et Fantôme 609. T'as pris une décision de réunion pour l'assassiner Jovenel Moïse. Seul Antoinette Duclair, le veti doit être li prend la parole. Li dit, messieurs, nous sommes en 2021. Nous avons fait tout l'autre bagaille, sauf tout yon président. Nous avons fait tout l'autre bagaille, sauf assassiner yon chef d'État. Nous avons minimisé la parole li ya. Les messieurs, ça m'a dit nous là. Si nous rentrons là-dedans, nous avons pour nous connaître qui choy. Nous avons pour nous payer ça cher. Nous ne sommes jamais capables de supporter bagay ça. Antoinette Duclair. Nous avons minimisé la preuve. Nous avons obligé de quitter la réunion. Gros disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons coquin chien mariage, population avec la police fait. Nous avons lancé opération Bois Calé Wash Maman. Gaye Kaka Bandi. Pendant que l'État en réunion ensemble avec Cavalier Paul Cal, qui est dans le même mouvement politique qui relève Matrice Libération, même Jean Samavel, Don Kato. L'équité réunion, hein? Rapide, vite, les gens disent clairement, où est Manzé son traite? Ils sont espions
en dedans l'opposition, ils sont espions en dedans groupe qui a bataille là. Parce que lycée zami Claude Joseph. N'a yon répété, lycée femme Claude Joseph. Et pour elle quitter là, nous garantis nous, li pral dit Claude Joseph ça. Et nous pas qu'à supporter. Plan pas passé. Et mais qui s'est passé? Rapide, vite, quelques minutes après, on s'est quitté réunion. N'a yon suivi, yon voué Fantôme section 9, al assassiné. Malheureusement, pour Diego Chal, on s'est quitté ensemble avec Diego Chal la machine. Nan. Alors, qu'est-ce que vous avec Diego Chal? Vous tuez tous les deux. Pour être capable de couvrir scène de crime, non. Et ça, je dis, nous, là, DCPJ a expliqué Léon Charles capable de bailler vérité sous ça. Je dis, nous, Léon Charles, pile bagay, non, mais peut-être que je dis, capable de peur. Mais il y a un bagay que Léon Charles a dit. Gan pile bagay, Léon Charles a dit. Peut-être qu'il a peur. Rapide, vite, il a assassiné une quantité haïtienne de matin de faux massacre. Et puis, rapide, vite. Bois amé, alors, moun ki couvri pou yo, tout crime yo, oriente tout qualité crime ki yo fait victime passe pou bourreau, hein? Fait bourreau passe pou victime nan, c'est Pierre Espérance. Rapide vite, Pierre Espérance gete produit un rapport, parce que pas j'aime lié ça. Pierre Espérance toujours gen un rapport qui prépare sous Jovenel Moïse, sauf qu'elle pou ko gen date, li pou ko gen lieu, li pou ko gen quantité cadavre. C'est toujours des faux rapports, et c'est un faux rapport yo qui pose premier pierre dans l'assassinat Jovenel Moïse. Antoinette Duclair mourit. Pierre Espérance crache sous cadavre là avec un soi-disant rapport. Li sorti sous crime ça, li dit c'est Jovenel Moïse qui voyait qui relait Jimmy Cherise barbecue. Barbecue relait son son crache du feu. Son son voyant quantité soldat al tourner Antoinette Duclair et puis fait massacre de Matrande 2. Pierre Espérance pour du rapport ça. Tout journaliste bec fait dans le pays d'Haïti fait mes bec yo, yo accepté pour ça, pour détruire Jovenel Moïse. Et puis environ 7 jours après, ou du moins 8 jours après, Jovenel Moïse t'a l'assassiné pour tout bon. Mais ça que pays a. Nous prenons parler de dossier assassinat Antoinette Duclair. Parce que jeudi a fait de l'année. C'était 29-30-2021. Jodia, nous exactement, nous capable de nous 30 juin 2023. Ça fait 24 mois pour nous dire de l'année. Yotouye, Antoine Duclair, nous pourrons parler de ça dans l'émission. Assassinat président Jovenel Moïse. Hier, nous faisons une émission. Qui va en pile que sauter et qui en pile moun rele, nous jouons en pile message, commentaire yon en pile, et c'est parce que commentaire l'en chauffe, parce que yon pile information qui nous montre qui nous gagne, nan men nou. Mais kote m'kal di, monsieur Bagala, pi grave pou yo. Pour yon nan la, gon gros baron kap debake nan pays d'Haïti. Gros baron sa, et c'est secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas n'importe qui. On m'a dit sauve-le, mais ce n'est pas n'importe qui. Antonio Guterres. Il est secrétaire général des Nations Unies. Papa Haïtien. Ce n'est pas n'importe qui cause. Nations Unies, qui a le Conseil de sécurité là-dedans, qui a la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, la République dominicaine. Haïti là-dedans. C'est gros cause, m'a dit nous là, oui. Eh bien, Nations Unies, avoué secrétaire général dans le pays d'Haïti, pour ça, on met devant, ils montrent que c'est des paroles politiques qui prennent le palais. La vine parler avec Ariel, la vine parler ensemble avec les gens qui sont dans la société civile, la vine parler avec les gens qui sont dans la classe politique traditionnelle corrompue pour y sentir. Mais écoutez bien. Nous avons une zone de Kalalou pour nous jouer une information parce que nous sommes infobeto. Écoutez bien, papa ici. Semaine qui se passe, Mme Martine Moïse te fait un viré dans la capitale politique mondiale qui est Washington DC. Pays attendez. Tourne Martine Moïse dans Washington, ça va un pile problème. Il y a une conférence de presse dans la Voix de l'Amérique. Conférence de presse ça,
te font pile nèg à chercher comprendre. Mais pas j'aime oublier ça. Reginald Boulos gagne une organisation qui a géré lobby pour l'île de Washington, qui a payé un pile l'argent. Paye à deux comme ça. On va m'a dire plus de vérité parce que nous avons cherché plus de causes ça. Il y a une propre organisation payo qui trouve un capital politique mondial là pour influencer une série de décisions politiques à prendre sur nos pays d'Haïti. Nous devons comprendre ça. Et ça cause toujours besoin en pile l'argent. Parce que dans le niveau que vous participez dans le crime dans le pays, dans la corruption dans le pays, il faut que toujours des blancs qui sont capables de protéger vous au niveau international là. Surtout dans Washington DC. Tous les matins, Moïse l'a porté résultat. Ou du moins, Snap dit, la baye fruit, la pote fruit. Sous chemin Matin Moïse là, c'est pas n'importe route. Et c'est route qui va que sauter là. Suivre trajectoire pour eux. Parce que m'bral banou, si l'on sait que m'gen en même moi-même. Matin Moïse font tourner dans Washington. Li dit, alors, li rencontre avec secrétaire général, l'OEA, qui c'est Luis Almagro. Luis Almagro. Ensuite, li participe dans l'émission La Voix de l'Amérique. Li répond des questions. Mais li dit un bagage qui est extrêmement fort et qui domine messieurs dames sa yo qui touye président. Martin Moïse dit lui-même la frappe tout. Parce que les besoins pour que vous mettez tribunal pénal international là sous pied qui pour juger assassin criminel qui fait crime ça qui bail problème qui domine en pile monde. Et mes papa ici, déclaration dominée, elle dit il y a en pile porte que nous frapper, il y a en pile porte que nous pral frapper. Journaliste Amandel, qui l'autre porte qu'on gagne qu'on pral frapper encore. Martin Moïse répond et c'est ça qui pral mettre messieurs yo dans tout maintenant. Qui pral troubler sommeil yo. Martin Moïse dit c'est pas toute rencontre
C'est pas toute porte qu'on frappe, qu'on jeune des réponses qu'on capable révéler public. C'est ça qui met plus en confusion. Et puis effectivement, Martin Moïse rapide vite fin sorti dans émission La Voix de l'Amérique. Un petit temps après, les jeunes invitation France 24, un journal français, un média français. Mais média français ça, journaliste ça, son journaliste qui tape fan Jovenel Moïse à l'époque, qui était très proche de l'opposition politique traditionnelle haïtienne, et qui très proche de l'oligarchie pourrissante. Moué, journaliste qui t'a cherché, qui t'a orienté interviewant. Martin Moïse répond, ça pour lui répondre, lui répond, Jean qu'elle doit répondre. Et lui, il prend un petit prêt. Côté que journaliste a demandé Madame Martin Moïse, qui est-ce qui touye Jovenel Moïse? Martin Moïse répond, dit, moi, pas jamais dit. L'a quitté enquêteur au 10 pito. Mais c'est normal. C'est gagné une enquête qu'a mené. Gagné une instruction qu'a mené soi-disant dans le pays d'Haïti. L'État Floride, la justice américaine en Floride, il y a des monde qui est en prison. Il y a des monde qui l'a continué tendre. Mais est-ce que madame oblige à aller épingler des monde directement? Li pa gen droit ça. C'est ça que monsieur t'a cherché. Peut-être fait capital politique yo avec dossier yo pas joine ni. Eh bien, tout petit média traditionnel, tout petit journaliste corrompu vicieux qui ne me dit en ligne, il a essayé de faire diversion avec lui. Malheureusement, il n'est pas capable passer. Martin Moïse mandé, il y a un tribunal pénal international. Peuple haïtien, le malfoué zone dans Kalalou pour un bon genre de détail. Sous tribunal pénal international, il y a un exemple pour moi, un exemple vivant. Il dit non, tu as gagné un premier ministre dans le pays Liban, que un groupe de nègres qui t'a assassiné pour intérêt personnel. Et bien, les Nations Unies te mettent au tribunal pénal international. Rapide vite, yon mené enquête, c'est resserré. Et puis, peuple haïtien, sont en dehors. Yon te joint tout le monde qui te exécuté, alors, qui exécuté premier ministre là. Et yon joint tout le monde qui te prend décision, ou du moins qui paye pour faire crime là. Ça, yon est auteur intellectuel. Et bien, pas de menti. Fomi en jeune justice, la vérité blaye, paye en compte tout ça qui t'est passé. Tout criminel, tout complice, yon en prison. Y a passé toute vie en prison. Eh bien, le monsieur a dit ça, il y a un dim qui est extrêmement important. Il dit, est-ce qu'on a défini pour moi tribunal pénal international là? Monsieur Tibeto.